Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations en matière de discrimination et de carrière et de retraite que nous avons obtenues en première instance. Elle y a ajouté les dommages d'intérêt pour préjudice moral et pour préjudice de formation que nous n'avions pas obtenus en première instance. Donc les condamnations sont supérieures à celles de première instance. Donc c'est un grand soulagement, une grande satisfaction pour nous tous aujourd'hui. C'est d'abord un rétablissement du droit, de la dignité, de l'égalité des droits contre les discriminations. Et en fait, c'est une reconnaissance qui servira au-delà de la France pour tous les gens qui se battent contre les inégalités.